Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé l'idée de vous présenter ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire était le 10 janvier. J'ai eu 23 ans. Voilà, je m'approche tout doucement des 25 et des un quart de siècle. Donc c'est cool. Donc voilà, donc deux petites choses avant de commencer cette vidéo. Première chose, donc petit disclaimer, je ne fais pas ça pour étaler ce que j'ai eu, je fais ça pour partager avec vous, pour vous donner des idées de cadeaux si vous avez un anniversaire prochainement ou quoi. Et deuxième chose, si vous voulez voir ce que j'ai eu pour Noël, je vous invite à aller voir sur mon blog, il y a un article qui est sorti dessus sur mes cadeaux de Noël. Je vous mets le lien de mon blog en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai eu pour Noël. Donc ben, c'est parti. Alors la première chose que j'ai eu, c'est la première chose en plus que j'ai ouverte et c'est la première chose que je vais vous montrer, ce sont ces petites oreilles là. Alors j'essaierai de vous mettre par ici des petits close-up des produits que je vais filmer avec mon téléphone, comme ça vous verrez mieux. Donc voilà, donc la première chose, ce sont ces petites oreilles là avec écrit oups là, un an de plus sur chaque oreille, et c'est juste trop bien. Donc je me suis mis ça comme ça sur la tête et toute la soirée j'avais ça sur la tête, donc c'était cool. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petites oreilles, donc je vais les garder pour tout le long de la vidéo. Deuxième chose que j'ai eu, c'est ce livre. Alors ce livre, c'est un peu un livre d'or, donc c'est écrit joyeux anniversaire. C'est un peu comme un livre d'or dans un mariage. C'est toutes les personnes qui étaient là en fait ont eu leur petite photo Polaroid et à côté m'ont écrit un petit mot et je remercie Aurélie, donc si tu passes par là je te fais des gros gros bisous, d'avoir fait ce magnifique livre. C'est elle qui a tout, je vous montre cette page du coup, tout décoré, qui a collé les photos, qui a fait un travail monstre dessus et je la remercie beaucoup beaucoup beaucoup. Et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui étaient là. Donc voilà pour ça, ça c'est un cadeau que je vais garder très précieusement avec moi. Et c'est franchement, si vous faites une soirée pour des 18 ans, des 20 ans, etc., pensez à ça, franchement ça peut faire un super souvenir à la personne. Surtout si à cet anniversaire il y a des personnes que la personne ne voit pas souvent, ça peut être cool. Donc voilà, ensuite j'ai eu une petite carte qui a été écrite toujours pareil par ma petite Aurélie. Enfin ma petite, par Aurélie du coup. Donc voilà, c'est juste une... c'est juste trop chou en fait. Donc voilà, donc tout le monde a signé. Donc voilà, il y a eu Aurélie, il y a Justine aussi qui était, ma petite Juju. Donc voilà, si elle passe par là pareil je lui fais des gros bisous. Il y avait également Estelle, pareil si elle passe par là je lui fais des bisous. Donc voilà, je fais des bisous à tous ceux qui étaient là. Voilà, si elle passe par cette vidéo. Donc voilà, pour mes 23 ans je vieillis. C'est triste. Ensuite, je vais passer au petit box. Donc j'ai eu deux petits paniers comme ça remplis de produits. Donc ça, je suis plutôt contente. Ça me permet, parce qu'il y a des produits que je connais et d'autres que je connais pas. Donc c'est cool parce que ça va me permettre de tester. Bon bref, je vais commencer parce que sinon je vais parler pendant 10 ans. La première chose que j'ai eu, c'est un masque purifiant corps, visage et cheveux à l'argile que je connais déjà. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir le retester. Et je l'avais bien aimé, donc au moins je sais ce qu'il vaut. Ensuite, j'ai eu mon après-shampoing de chez Le Petit Marseillais. Pareil, c'est un produit que je connais, que j'adore. Donc voilà, je suis très contente. Et en plus, ça tombait bien parce que je voulais m'en racheter un. Bah du coup, je l'ai eu. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai eu un shampoing de la marque Timothée Pure. Extrait de thé vert bio. 0% de silicone paraben colorant. Voilà, ce shampoing, je vous en ai beaucoup, 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 beaucoup parlé au début de ma chaîne. Donc si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous devez le reconnaître. Et c'est un shampoing que j'adore. Clairement, cette gamme-là de chez Timothée Pure, j'adore leurs produits. Donc entre leurs produits à eux et Nature et moi, ce sont des produits que j'adore. Ensuite, j'ai eu deux gels douche de la marque U. Donc on a le sorbet melon hydratant édition limitée qui sent extrêmement bon. J'avais en plus senti en magasin. Là, je l'ai eu, donc je vais pouvoir le sentir autant de fois que je veux. Et honnêtement, je pense que ça va être un des gels douche que je vais beaucoup me servir cet été, printemps-été. Et j'ai également eu ce gel douche aux extraits de pomme caramélisée exfoliant. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait gel douche et un peu exfoliant. Donc quand vous n'avez pas trop le temps, c'est plutôt cool. Donc voilà, ce sont deux petits produits de la marque U que je ne connaissais pas et que je suis très contente de pouvoir tester. Ensuite, j'ai eu ce lait parfumé corps de chez Yves Rocher que je connais déjà, que j'ai déjà testé, que j'adore. Donc ça tombe bien, je commence à être un peu en manque de lait hydratant pour le corps. Ensuite, j'ai eu toujours de chez Yves Rocher la framboise
menthe poivrée, toujours, c'est un lait pour le corps, toujours, donc ça c'est cool parce que j'adore cette senteur. Et toujours de chez Yves Rocher, j'ai eu cette huile sèche au monoeil de chez Yves Rocher, donc il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et ça, je pense clairement m'en servir cet été, je vais pas m'en servir cet hiver, ça ne servirait peut-être pas grand chose, mais je pense que cet été, je vais m'en servir, donc voilà pour ça. Je pense que de toute façon, tous les produits que je vous présente, je vous en reparlerai sur Insta, ou sur ma chaîne en favori, ou en flop, ou voilà. Et pour finir avec ce premier petit panier, j'ai eu deux petits masques de la marque Garnier Active Skin, que je ne connais pas du tout, donc c'est cool, je vais pouvoir les tester. Donc on a le vert qui est le purifiant, donc il est à l'argile et au thé de matcha. Donc voilà, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Je suis désolée pour la luminosité qui change, mais le temps aujourd'hui c'est juste pas possible. Et le deuxième, c'est un masque éclat, donc voilà, qui est au citron Active Lisse et Active Lisse. Donc je testerai et pareil, je vous en reparlerai très prochainement. Ensuite, deuxième petit panier, du coup, donc cette fois on change de couleur, il est comme ceci, il est autant beau que l'autre, hein. J'ai eu un autre lait pour le corps, je crois, oui, lait corporel, 96,9% d'origine naturelle, et c'est de la marque Jeanne en Provence. Donc je connais pas du tout cette marque, je connais pas du tout leurs produits, donc je vais tester ça et je vous en reparlerai. Il sent, en fait, il sent le bébé. Et ça, c'est une odeur que j'adore. L'odeur des bébés, c'est une odeur particulière, mais c'est une odeur qui sent très 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 bon. Donc, hâte de le tester. Ensuite, j'ai eu un mini gel douche de chez Nocibé, macaron framboise. Donc voilà, je pense que ça va me faire un petit bain moussant ou quelque chose comme ça. Ça peut être cool, ou même si je pour partir, quand vous partez quelque part, les petits formats, c'est toujours pratique. Ensuite, j'ai eu cette petite trousse là, donc qui est comme ça. Au sommet, vous avez un taille-crayon. Par contre, si vous servez du taille-crayon, il faut rien mettre dedans parce que ça tombe directement dans la trousse. Voilà, donc c'est une petite trousse. Et à l'intérieur, il y en avait encore des surprises, hein. Comme si j'en avais jamais eu assez, hein. J'ai eu des petits post-it comme ça avec des têtes de chat. Voilà. Et j'ai également eu, hop, un petit bracelet nickel comme ça. Vous le verrez mieux de toute façon sur le close-up, mais il est juste canon, 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 canon. Et honnêtement, j'attendais de tourner cette vidéo pour pouvoir le porter. Il est juste canon. Vous avez la tête à Mickey, vous avez le petit nœud de mini, le bas de Mickey. Vous avez un petit diamant derrière, un faux diamant. Hein. Et pour ceux qui s'intéressent, vous allez le retrouver. Il vient de chez Primark. Donc voilà, il est juste magnifique. C'était la collection que Disney avait avec Primark. Donc voilà, il est juste trop trop beau. Je sais pas si la collection est encore disponible chez Primark, parce que moi le seul Primark qui est disponible vers chez moi, il est à Lyon, donc j'y vais pas souvent. Donc je sais pas s'il est encore disponible. N'hésitez pas à aller voir et me dire tout ça en commentaire. J'ai eu ce petit moule à gâteau là, et si vous reconnaissez bien, si je vous le rapproche un petit peu, c'est le petit Stitch. Voilà, je vais pouvoir faire des gâteaux et manger Stitch. Donc ça c'est plutôt cool, je sais pas du tout d'où il vient. Voilà, je l'ai eu exactement comme ça, donc je sais pas d'où il vient, donc voilà. Si jamais ma petite Aurélie, tu passes par là, si tu peux me le dire en commentaire, voilà, si ça peut intéresser des gens. C'est vraiment trop trop beau, donc je l'adore. Je sais pas où tout mettre. Et ensuite, j'ai eu ce miroir là, à LED, donc en fait c'est un miroir que vous posez, vous avez un bouton pour la lumière. Donc ça peut être bien quand vous vous maquillez le matin de bonne heure. Vu qu'en ce moment on est en hiver et que le soleil ne se lève pas avant un bon moment, ça peut être pas mal. Donc pareil, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore installé, mais j'ai hâte de m'en servir pour ce petit miroir. Voilà. Ensuite, il me reste 3 cadeaux à vous présenter. Alors, j'ai eu une nouvelle coque pour mon téléphone. Voilà, parce que comment vous dire, que actuellement ma coque, donc elle est là sur mon téléphone, je vais vous montrer, elle est explosée ici, vous voyez que là c'est complètement cassé, et vous avez des angles, donc il y a 3 angles, et il y a juste cet angle là qui a résisté, sinon les 3 autres sont complètement cassés, donc je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est une nouvelle coque. Donc j'attendais de tourner cette vidéo pour pouvoir la mettre, donc là je vais la mettre, et j'ai hâte, j'espère qu'elle sera beaucoup plus résistante que l'autre.
Donc voilà pour ça. Ensuite, alors ça je m'en souviens très bien. Alors les autres produits, je vous ai pas dit de la part de qui ils étaient, parce qu'ils sont mis à plusieurs dessus. Donc voilà, mais ça je sais que c'est de la part de ma petite Estelle et de son chéri. Donc c'est une carte cadeau beauté de chez Yves Rocher. Et honnêtement, leurs cartes cadeau Yves Rocher sont... elles sont simples, mais elles sont jolies en fait. Ouf là, si vous avez bien. Voilà. Et honnêtement, c'est juste hyper gentil de leur part. Je les ai remerciés de toute façon quand ils étaient là. Et c'est un petit cadeau comme ça, ces petits cadeaux qui font plaisir. Et je vais pouvoir trouver peut-être plein de petites choses à Yves Rocher, donc à voir. Et enfin, le plus gros cadeau que j'ai eu, on va dire, donc tout ça m'a fait très très plaisir. Hein. J'ai été émue de la première ouverture du serre-tête à la dernière ouverture de cadeau. C'était vraiment un bel anniversaire, donc voilà. Et du coup, j'ai eu une Wonderbox joyeux anniversaire. Voilà. Faut pas que tu perdes le ticket. Hop. Donc voilà comment ça se présente. Et je l'ai pas encore ouverte. Parce que pareil, je voulais vous montrer avant de l'ouvrir. Et honnêtement, je vais essayer de mettre le scotch droit, ça serait pas mal. Et honnêtement, déjà c'est un super cadeau que vous pouvez faire, ce genre de petite box là. Il y a plein de choses à faire. Je sais pas ce que je vais faire encore. Je l'ai même pas encore ouverte. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir pour savoir ce que je vais faire. Je vous ferai peut-être un vlog dessus, j'en sais rien. Peut-être que je profiterai carrément de ma journée et que je me couperai des réseaux sociaux, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment un très 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 beau cadeau. Et quand je l'ai ouvert, j'étais limite en larmes, j'avais les larmes aux yeux. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo cadeau d'anniversaire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel cadeau vous a plu, quel cadeau vous avez aimé ou quel produit vous avez déjà testé. N'hésitez pas à me dire votre avis. Si vous voulez que je vous fasse des revues sur certains produits ou des crash tests, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et moi je vous dis donc du coup à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.